YSL clutch back, boss niggas love that. My weave real long, do my squats for that ass back. Love my attitude, so he call me Lil Brat Brat. He love me long time, cause it's cash, yeah, I match that. Never took an L, lesson learned, and I bounce back. Tripping off a nigga, man, for what? I just fall back. I don't have the time to be gift. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous allez voir sur le titre, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette coiffure. Donc, je vais montrer comment j'ai fait cette coiffure et tout. Franchement, je suis très fière de moi. Comme vous allez voir dans la vidéo, j'ai cru que ça allait être difficile. Mais je suis en train de le faire et tout. J'étais en mode, actually, it's not that hard. So, yes. Mes cheveux, ils viennent de chez Wig Counters. Ils m'ont envoyé ça. C'est venu aujourd'hui. J'ai bleached the hair. J'ai épilé tout ça pour que ça soit naturel et tout. Mes cheveux, c'est du 14 pouces. Faut savoir que moi je suis une grande fille, donc si par exemple vous faites 1m60 ou 1m65 avec un as, 14 pouces ça peut vous arriver ici, tu vois. Mais moi comme je suis petite, enfin moi comme je suis grande, ça m'arrive un peu plus court que d'habitude. Et voilà, les mèches, je les kiffe. Franchement, je les kiffe. C'est un bob wig, je les kiffe. Je les kiffe quoi. En plus, il n'y a pas trop de mèches, donc ça fait que ça fait vraiment naturel en fait. Dans la vidéo, j'ai collé ma perruque off camera parce que ces derniers temps, je vous montre beaucoup comment je colle mes perruques. Je me suis dit, cette vidéo, c'est vraiment uniquement pour vous montrer comment j'ai fait cette coiffure. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésite pas de continuer à regarder cette vidéo. Bisous. Donc là, j'ai ma perruque derrière moi. J'ai épilé, j'ai bleach de notes. Donc là, je vais l'appliquer sur ma tête. Je vais pas vous montrer comment je vais installer cette perruque parce que je vais pas mentir, je vais vous montrer beaucoup de fois comment j'ai mis ma perruque sur ma tête. Là, je vais me concentrer à bien poser la perruque. Ensuite, on va revenir pour la styler. Ok, donc là, j'ai appliqué la perruque. J'ai fait ma raie. En fait, là, ce qu'on va faire, vite, j'ai jamais fait ça. Donc, c'est vraiment la première fois sur caméra. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma mousse et je vais prendre une brosse forte et je vais commencer à aplatir la perruque, ensuite faire le swoop. Je vais prendre la mousse, je vais la mettre dessus. Je prends ma brosse. Et là, je vais prendre mon sèche-cheveux. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus lisse que l'autre. Enfin, c'est beaucoup plus lisse que l'avant. Donc là, je reprends ma mousse. Je vous dis, cette mousse, meilleure mousse. Meilleure mousse pour votre coiffure. Et je vais prendre l'autre côté. Je vais mettre au-dessus. Je reprends ma brosse. Là, vous savez ma technique. Là, je prends mon boucleur. Les gars, j'ai commandé un hot comb, enfin. J'attends que ça arrive parce que vous savez, la livraison, ça prend trop de temps. Donc là, j'attends que ça devienne chaud. Ensuite, je vais appliquer sur ma tête. Là, vous voyez déjà que le sèche-cheveux, que c'est assez plat. Mais on va encore bien aplatir pour qu'il n'y a pas des bosses et tout ça. Donc là, j'attends que ça chauffe. Et puis, là, c'est chaud. Là, je prends mon petit miroir pour voir, vous voyez, mon simop que je suis. Et je vais commencer à... aplatir ma soupe en fait. Faut que ça soit le plus plat possible. Et je vous déconseille vraiment d'acheter, je vous déconseille vraiment d'utiliser du gel parce que ça va abîmer vos mèches et tout. Non, faites pas ça. La mousse, ça abîme pas vos mèches quoi. Donc prenez pas du gel parce que si vous croyez que c'est avec du gel, moi si j'ai cru ça, mais don't do it. Donc là. J'ai aplati bien la perruque. Bien sûr, avec un hot comb, c'est 10 fois plus vite. Donc voilà. Je prends une brosse. Donc voilà, là vous voyez que c'est assez plat. Je reprends la mousse. Et je vais mettre sur le soupe. Et là en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai brossé. Et je vais mettre, c'est ça les gars, c'est ça je crois, ouais c'est ça, j'ai reçu ma coupe, ouais c'est ça. Et vous faites en sorte que les mèches ils dépassent un peu comme ça. Oh my
my god, je suis trop fière de moi. Je prends ma main. Je prends ma laque. J'ai. Mais t'es pas trop parce que. Voilà quoi. J'ai prends mon séchoir. Sur quoi? Donc voilà. Là, je vais lisser mes cheveux. Ensuite, on revient pour la outro. Donc là les gars, j'ai mis un petit tout ça, j'ai fini ma coupe, j'ai lissé mes cheveux. Franchement, je suis très très fière de moi. J'ai cru que ça allait être vraiment difficile. Je sais pas pourquoi, mais comme vous avez pu voir, c'était vraiment très très facile. Donc voilà, si vous aimez bien cette coupe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Franchement, moi j'ai kiffé en tout cas. Les mèches aussi, je kiffe, sont très très douces. Franchement, 10 sur 10. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Et on se dit à la prochaine. Bisous.